nous sommes ici avec Choco Mango. Le stand de Choco Mango avec Olga Coronado. Bonjour Olga, ça va bien? Ça va bien, Susan. Donc Olga, est-ce que vous êtes québécoise, Olga? Non, je suis de origine guatemalteca. Vous venez de Guatemala? Oui. D'accord. Pourquoi, d'abord, on va commencer le nom. Pourquoi Choco Mango? Mais quand j'ai ouvert ma boutique, c'était vraiment chocolat café. Et j'essayais de trouver un nom, mais Choco, mon nom, Choco Olga, non? Choco fraise, non? C'était après ça. La mangue, c'était un fruit très populaire dans notre pays. Moi, je l'adore. C'était Choco Mango. J'ai trouvé qu'il y a un bon son, quelque chose que c'est un mot que le monde se sent rappel. D'accord. Ça fait longtemps que vous faites de chocolat? Ma boutique, ça fait 15 ans qu'existe. 15 ans déjà? Mais comme chocolatière, ça va être récemment 10 ans que je suis chocolatière. Avez-vous appris ici le métier de chocolatier ou est-ce que vous l'avez amené avec vous de Guatemala? Non, je me formé ici dans l'Académie du chocolat. Ah, dans l'Académie du chocolat ici? Oui. Ah, ici à Québec? À Québec. Ah, d'accord. Bon, pouvez-vous nous présenter vos produits? Oui, bien sûr. Je te présente ici, c'est des chocolats qui sont faits pour la dégustation Choco Bordeaux. Ok, ils sont spéciaux pour la dégustation Choco Bordeaux. Qu'est-ce que ça vous fait spécial? On a fait des caramels, comme si il y a un caramel dulce de leche, oui. Avec un caramel aussi fruité. Ici, on a un caramel à la mangue avec un caramel à vanille pécan. D'accord. Pour que trouver les accords. C'est vraiment un chocolat spécialement conçu pour l'activité. Ok. Donc, avec quelle sorte de vin on va le marier? Ça, c'est vraiment avec les bordeaux sucrés. Les moelleux, les liqueurs. D'accord. On continue. Ça, ici, on a la collection praline. Les quatre que nous avons ici? Oui, les quatre sont des pralines. Ça, ici, praline, ok. C'est une amande à l'orange. Amande orange. C'est une marzipan. Ça, ici, c'est une vanille calme et croquante avec la noisette. Vanille croquante avec la noisette? Oui. D'accord. Ici, on a la noisette, crème à la noisette. Et ça, c'est un chocolat noir. Chocolat noir? La ganache. Ok. Et les quatre sortes de chocolat que nous avons ici, on peut l'accorder avec quelle sorte de vin? Mais ici, c'est des chocolats qu'on pourrait vraiment les accompagner avec n'importe quelle sorte de vin, si les gens viennent les praliner. D'accord. Tant que cette collection ici, c'est vraiment la collection des accords vins. Ça, c'est vraiment les accords vins? Oui. Ok. Il n'y a pas de vin à l'intérieur. C'est vraiment des recettes de chocolat qui vont équilibrer l'acidité, l'amertume, les gras. Versus les cépages. D'accord. La petite boule orange, vert, c'est au vin blanc. Qui ici, c'est pour les vins charnus. D'accord. Ici, on a pour les aromatiques souples. D'accord. Ici, on a pour un Bordeaux. Pour un Bordeaux? Pour les Bordeaux, on prend. Mais les Bordeaux, on parle de Bordeaux rouge ou Bordeaux blanc? Okay. Ça, c'est pour les plans de Bordeaux rouge ici. D'accord. Pour les plans pour les Bordeaux blancs. Okay. Ah, pour les Bordeaux blancs. Ok, et, d'accord. Est-ce qu'ils sont faits avec du vin? Non. Aucun vin dans aucun vin. Rouge, ok. Parce que ça c'est juste ici. Exactement. C'est d'accord. Okay. Pas les quatre d'ici. Oui, c'est les quatre. Après ça, on a les quatre ici, que c'est la collection caramel. Collection caramel? Oui. Ok. Ici, on a le caramel dulce de leche. Oui, le dulce de leche, c'est ce qu'on appelle cajeta au Mexique. Exactement. Ouais. Exactement, c'est le dulce de leche. Le latino-américain. On a le caramel à la fleur de sel. Caramel au bar. Oui. Caramel à la cidre de coco. D'accord. Tous les caramels et tous les ganaches sont conçus sur place. C'est moi qui fais le caramel. Caramel maison. Oui. D'accord. On va les accorder avec quoi? On va les accorder. Ça, c'est vraiment le plaisir du monde, les accorder avec ça. Les caramels sont un peu plus difficiles d'accorder avec une thé. Moi, personnellement, oui. Parce qu'il y a le côté sucré. Il y a des gens qui aiment beaucoup les caramels au bar avec un bon vin blanc, pas trop sec, ou bien avec une bouche. Aller. La cidre de pomme, c'est bien à côté avec une cidre de la vendée, oui. Et de ce côté, on a ici les carrés de dégustation, les accords de chocolat.
C'est le même chocolat que j'utilise pour la collection, sauf que c'est des chocolats solides. Sauf que c'est le chocolat? Solide. Ah, solide, ok. Ça, c'est le carré de dégustation. Ils sont plus crémeux ou quoi? Non, 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 c'est chocolat solide, mais c'est seulement pour les gars. Ah, ok. Ici, on a la dégustation en bas. Ça présente comme dans la photo. Il y a deux petites tablettes qu'on les coupe en petits morceaux. Et après ça, on les déguste avec les gars. Ah, d'accord. Avec ça, on a la grille de l'épada. Et... Ah, donc ici vous avez pour les vins blancs, fruité aromatique, ok. Ah, même pour les grandes réserves, même. Bon, ok. Et le Porto, ok. C'est le chocolat que j'ai conçu moi-même avec une sommelier. Ah, ok. On a gagné le prix d'innovation 2014 de Québec. Ah, ok. Donc vous avez fait les accords avec un sommelier. Oui. Un aide d'un sommelier. L'expertise comme chocolatière. Oui. Versus l'expertise de le sommelier. Oui. C'est ça qui vraiment m'a aidé à avoir. C'est la même chose. Je connais beaucoup plus sur les cépages versus la qualité de chaque. D'accord. Et comment, où est-ce qu'on va, on peut trouver les chocolats? On peut les trouver, sur mon site internet, il y a la distribution dans différentes régions de Québec. C'est quoi le site internet? www.choco-mango.ca. Là, on trouve tous les points de distribution de chocolat qui viennent à la région. D'accord. Est-ce que dans les ingrédients, est-ce qu'il y a un ingrédient spécial qu'il nous faut connaître, savoir qu'il existe? Mais je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à dire qu'ils sont allergiques à la mangue. Allergiques à la mangue? Non, ça c'est pas. Non, oui, non, non. Oui, il y a des gens qui me disent que c'est comme si d'être c'est allergique au soleil. Et associer que le chocolat il va avoir la mangue, mais non. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas la mangue dans le chocolat. Il n'y a pas de mangue dans le chocolat. C'est juste vraiment le nom, Chocomango. Chocomango, c'est le nom de la chocolaterie. D'accord. Et ça existe depuis 2001. 2001. Merci beaucoup, Madame Olga. Merci, Suzanne.